Il a été décidé, de, pour la Lutescope, de faire un arriéré. Je peux vous regarder, hein. Un arriéré, c'est-à-dire qu'on a, bien que nous soyons partis que cette année, on a décidé qu'il fallait à tout prix récompenser celui qui l'année dernière avait été le meilleur d'entre nous. L'année dernière, il y en a un dont il faut reconnaître qu'il a fait, de mémoire, je crois que c'est 3 ou 4 grands chelems. En ce temps-là, on n'était que par SMS. Et donc, on a décidé, tout le monde à l'unanimité, a décidé d'attribuer le Lutescope à un vainqueur pour l'année dernière. On a déjà inscrit son nom. Lui, il n'est pas encore au courant. Non, mais maintenant, il l'est. Il a commencé à dominer. Donc, maintenant, je vais laisser le soin à Jean-Pierre, parce que c'est le président, et j'y tiens. C'est au président de remettre au récipient le trophée. Le trophée. Mets-toi par là. Tu connais pas le résultat. Donc il a été décidé. Il a été décidé à l'unanimité que la première Lutescope était attribuée à Raymond. À Raymond la science. Thomas, je sais pas comment je fais. Oui, tu l'as fait quand même. Tu dis qu'on est des couillons. Il y a un truc monté là, non? Il faudrait que tu la ramènes voilà. Pour l'Assemblée Générale. Mais pas avant. C'est dans la chambre à coucher. C'est justement. Non, mais alors, je suis confus et mal confus. Parce qu'en définitive, je retrouve mon nom en plus. Tu as tout compris. Dans la liste. Oh non, ah bah oui, attends. C'est pas possible. Et je